aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous fais la suite. Je vous présente l'application Tadadam! C'est une nouvelle application que j'ai créée avec des livres adaptés pour les élèves pour qui c'est un défi de la lecture. Alors, je la recommande aux intervenants, aux parents. Je vous la présente à l'instant. De quoi on parle dans les livres de Tadadam? De plein de sujets! De plantes, de peurs, de poils, de pets, de plein de choses extraordinaires. C'est des beaux auteurs québécois qui ont participé à cette application-là. Venez la visiter. Alors, je vous invite à venir dans le cœur de Tadadam. Je vous partage ça tout de suite à l'écran pour qu'on puisse regarder cette bibliothèque de livres adaptés. Alors, c'est un petit maïs, un paquet de maïs soufflé. Il y a toujours un petit descriptif. Vous arrivez ici dans l'accueil et là, il y a tous les livres de la bibliothèque. Il y a des livres à 300 mots, 600 mots ou 1000 mots. Et pour chaque livre, il y a quatre questions pédagogiques derrière avec de l'inférence ou des questions de réaction. Et je vous ai fait un cadeau. Il y a un livre qui est parfaitement gratuit en entier. Donc, dès que vous téléchargez l'appli, vous avez ce livre. Et c'est des petits sujets cocasses. Là. On commence avec Babette et ses bobettes. On peut se faire lire l'histoire ou on peut lire nous-mêmes l'histoire. Moi, souvent, mes élèves, ils vont lire la phrase, puis des fois, ils vont aller valider après. Avec un élastique en dentelle. Quand il y a des mots plus compliqués, ben, on va les expliquer en, par exemple, donner un synonyme. Et c'est comme si pour chacun des livres, même quand on prend un livre là, à 1000 mots, plus de 1000 mots, le principe est le même, une seule phrase présentée à la fois pour pas que l'enfant se sente dans un encombrement perceptif ou un vertige de trop à lire. Puis à chaque fois qu'il va lire une phrase, il y a un casse-tête qui va se débloquer pour qu'il puisse se faire son cinéma dans sa tête. Alors, je vous invite fortement, intervenants, à le recommander pour ces enfants qui ont des fois des défis en lecture. Et je vous invite aussi, parents, de la télécharger pour... Vous pouvez télécharger un seul livre là, gratuit ou vous pouvez aller dans la boutique puis choisir les livres que vous voulez. Alors, merci, puis bonne lecture surtout!